vient de déjeuner et on fait une petite observation. Alors redis-moi ce que tu viens de redire, ça va me droit au cœur. J'attends, je me mets devant ce monument, parce que tu viens de m'en parler comme... Non mais tu vois, on va faire champ contre champ, mais pendant que tu me clines, je vais montrer ce que moi je trouve. Suis-moi, faut être plus près pour le... Faut me coller au... Alors on vient de croiser, ouais. Midi à 3. Et c'est vrai que 7 à 3 qui est, on va dire, la voiture de base du groupe Audi, il y en a un avant, mais cette compacte, qui, quand elle est sortie, les gens disaient « ouais, elle n'est pas très différente et tout », on se rend compte avec le temps que la structure du design, c'est-à-dire la sobriété, c'est quasi parfait. Ça a une tenue dans la rue. On la voit en plus avec une couleur très originale. Ouais, très rare, mais c'est d'une sobriété et d'une force en même temps. Tu sais, j'étais en Belgique, où vous allez découvrir Samuel, qui me disait que même en Belgique, Audi était très fort. Tu sais que je ne suis pas ému par ce style, mais je ne peux être qu'admiratif par... Tu vois, cette voiture... En tout cas, tu nous as arrêtés. Mais non, mais cette voiture, elle a... Objectivement, elle n'a rien d'extraordinaire. Elle a juste qu'elle est parfaite dans sa promesse et son offre, et elle est rassurante. Il y a un côté, on dirait un lingot d'or. Je comprends que les gens, ils ont envie d'acheter ça. Ils se disent, j'en ai pour mon argent. Tu vois, c'est très... Regarde, l'épaisseur du joint, là. On ne le voit pas, c'est un peu jaune, mais... Effectivement, comme le joint chromé, les joints en caoutchouc, comme ils apparaissent, tout ça fait extrêmement solide. L'accostage est nickel partout. Donc ça, tu me diras, il paraît que les Français n'arrêtent pas de dire... Non, mais attends, parce que... Cet exemplaire, il nous a arrêté pour ça. Il faut quand même qu'on raconte quelque chose. Cet exemplaire, il nous a arrêté pour sa couleur qui sort de l'ordinaire. C'est un aubergine assez étrange et qui lui va plutôt bien. D'autre part, c'est une trois portes. C'est rare, les trois portes, aujourd'hui. Et c'est une TFSI. Donc elle a trois raretés. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit quand tu disais les Français aussi. Une 308, pour moi, est aussi bien construite. Ce que je veux ajouter sur cette voiture, justement, la force d'Audi, c'est que ça fait 20 ans que ça dure, cette ligne avec la 3. Et c'est ça qui est fort, c'est que tu la vois, tu l'identifies et elle est rassurante. On reparlera de cohérence, on en a beaucoup parlé en Belgique avec Samuel, le petit observateur.